Quand avez-vous décidé d'apposer le Nutri-Score sur vos produits? Nous avons fait partie des entreprises volontaires pour tester les 3 ou 4 logos avant la naissance du Nutri-Score. Dès que le choix a été fait par le gouvernement, nous avons apposé le logo définitif. Dès 2018, l'ensemble des produits Sodebo portait déjà cette mention. Chez Sodebo, nous améliorons sans cesse le Nutri-Score de nos recettes. Aujourd'hui, par exemple, sur plus de 170 produits, les deux tiers obtiennent A ou B, et aucun ne sont notés en E. Comment est calculé le Nutri-Score? Il y a des résultats surprenants. Le Nutri-Score est calculé sur la base des valeurs nutritionnelles et de la teneur en fruits et légumes. C'est un cumul de points positifs apportés par les bons nutriments, comme les fibres, les protéines et fruits, mais déduites des points négatifs apportés, elles, par les nutriments moins bons, sucre, acides gras saturés et sel. La valeur énergétique influence également la note. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir un Nutri-Score A sur les produits? Une pizza Sodebo avec le Nutri-Score A, c'est possible, vous croyez? Certaines de nos recettes sont élaborées en collaboration avec des experts en nutrition pour garantir un bon équilibre entre les différents nutriments. C'est ainsi que nous avons réussi à proposer une gamme de salades dont toutes les recettes sont notées A. Alors, une pizza avec un Nutri-Score A? Oui, c'est possible, avec des ingrédients peu salés et peu caloriques, comme des légumes ou de la charcuterie maigre, ou du fromage de chèvre, par exemple. Retrouvez tous nos engagements sur sodebo.com, rubrique en action pour demain.